Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes une actrice politique au niveau de la diaspora. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous exactement? Je suis mademoiselle Tomba Tomba, Zoya. Je suis membre du CAP. Donc au niveau du CAP, j'occupe la fonction de trésorière. Je suis également présente au sein de la diaspora congolaise. Alors, vous avez participé aujourd'hui à une marche qui a convoqué un nombre important de Congolais. Et c'est une marche, on pourra dire, réussie parce qu'il y avait une foule énorme, une foule intense, et avec une sécurité mise à votre disposition. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous attendez de cette marche? Ce que j'attendais de cette marche, j'attendais la présence des Congolais. Les Congolais se déplacent massivement pour dénoncer tout ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Parce que c'est inadmissible de voir tout ce qui se passe au Congo, le hold-up électoral, les arrestations arbitraires, les bombardements. C'est au Congo-Brazzaville, je pense que les Congolais ont suffisamment souffert. J'attendais une présence massive des populations congolaises. Il faut que les Congolais se lèvent pour dénoncer tout cela. Et donc, j'étais satisfaite. Ils ont répondu présent. Oui. Je soutiens votre satisfaction parce que moi-même, j'ai observé, j'ai constaté qu'il y avait une foule énorme. Donc, les Congolais et les Congolaises ont répondu présent. Et j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous avez espoir que les temps sont venus pour signer la fin du règne de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville? Je crois que les plus que temps, parce que les Congolais ont subi ce dictateur et tout a une fin. Je pense qu'au niveau du clan au pouvoir, ils doivent se rendre compte qu'ils ont martyrisé une population et que tout ça doit avoir un terme. Et que je crois que là, les Congolais ont pris conscience et que les choses doivent changer. Aujourd'hui, ils sont debout et c'est ce que je constate. Je pense que bon, là, nous allons vers la fin. Et je lance en même temps un appel pour dire au peuple congolais, en juillet 2016, Sassou arrive au terme de son mandat. Et donc là, je demande au peuple congolais de se lever massivement et d'obéir au mot d'ordre de la désobéissance civile. Très bien. J'ai remarqué aussi que parmi les marcheurs, et parmi les structures qui ont marché, j'ai regardé un peu les banderoles et consorts, j'ai constaté qu'il y avait un seul parti politique présent lors de cette marche. Est-ce qu'au niveau de la diaspora, il n'y a pas d'autres partis politiques existants au Congo qui seraient représentés ici en France, sur la place de Paris? C'est curieux parce qu'il n'y avait que le CAP. Écoutez, je ne peux pas parler pour les autres partis politiques, je ne peux parler qu'au sujet du CAP, parce que moi-même je suis membre du CAP. Le CAP était présent parce que le CAP incarne le peuple congolais. Le CAP est debout avec le Congo, le CAP c'est le Congo. Nous épousons justement la politique de congolais, nous épousons également cette envie, ce besoin du changement. Et donc le CAP, c'est l'argent pour lequel le CAP sera présent ou sera le peuple, partout sera le peuple congolais, le CAP sera là. Parce que le CAP incarne le Congo. Le CAP incarne le devenir du Congo. Voilà. C'est pour cela que le CAP sera toujours présent. Lorsque les Congolais diront non, le CAP sera toujours présent. Très bien. En tout cas, bon vent pour le CAP. Le CAP, c'est quoi en fait? Le C, le A, le B, ça représente quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas le CAP? Le CAP veut dire c'est le Congrès africain pour le progrès. Le Congrès africain pour le progrès. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous.